Belle victoire de l'Estensil-Rennes, 4 à 0 ce soir après un derby complètement fou. Gennaro Brasigliano, bonsoir. Bonsoir Laurent. Alors, belle victoire à tous les niveaux et qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Bah écoutez, c'est vrai qu'au départ, c'était un match assez fermé avec deux équipes qui se craignaient. Une équipe de la SNL plus à l'aise techniquement, même si jusqu'au coup franc, on n'avait pas d'occasion de part et d'autre, si ce n'est sur les coups de pied arrêtés. Et comme souvent dans ce genre de match, l'ouverture est venue sur un coup de pied arrêté en fait. Benoît Pedretti qui trompe tout le monde. On attendait tous Loïc Puyot et le gardien aussi sûrement. Et il réussit à ouvrir le score de belle façon. À partir de là, on a vu une équipe de Messine qui était venue avec un bloc bas, avec la volonté surtout de procéder par contre, qui a été obligée de sortir un petit peu de sa torpeur. Et heureusement pour la SNL, on a réussi à profiter des espaces que SMS a pu laisser. Alors ce soir, l'Estensil-Rennes a gagné aussi parce qu'elle a été beaucoup plus déterminée que son adversaire. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas abordé le match de la même façon. Bon, après, les événements ont quand même tourné pour la SNL, hein. Le carton rouge à la fin, le coup franc, les blessures aussi, hein, les blessures qui ont quand même. Les blessures déjà avant le match, parce qu'il y avait quand même des absents déjà avant le match et sur le terrain. Donc, je pense que le turnover effectué par le staff, par Pablo Correa, donc, et le staff nancéen, a été payant, hein, sur ce match, en fait. On a vu une équipe de la SNL plus à l'aise techniquement, mais aussi et surtout plus fraîche, aussi bien physiquement qu'au niveau de que dans les têtes, en fait. Voilà pour cette belle victoire de l'Estensil-Rennes avec notre consultant Gennaro Brasigliano.